Bienvenue au gymnase Panditsadeh Vavakwa pour la rencontre de l'élite entre Faucon Flaccan Itier et le club sportif de Pamplemousse. Coup d'envoi de ce match avec le service pour l'équipe de Faucon Flac. Pour Pamplemousse, on fait circuler la balle, mais cette frappe qui était, à notre avis, déjà très appuyée est sortie hors des limites du terrain. Ce qui donne fort logiquement un avantage à l'équipe de Faucon Flac. Bonne réception. Et le smash qui remet les deux équipes à égalité. Bonne frappe de Constant Perrine. Et c'est au tour de Rousty pour l'équipe de Pamplemousse d'effectuer le service. On affiche une bonne concentration du côté de Faucon Flac. Mais pas suffisamment pour empêcher l'équipe de Pamplemousse de marquer un deuxième point. Service de Rousty. Superbe frappe. Et c'est signé Naiko. Donc deux partout en ce début de rencontre. Premier set. S'il est vrai que sur papier, l'équipe de Faucon Flac Caen Itier est donnée favorite. Néanmoins, il faudra s'attendre à ce que le club sportif de Pamplemousse lui donne aussi une belle réplique. Il y a eu cette tentative de Constant, le bloc qui a parfaitement marché. Avec notamment Isnar et Joseph qui étaient au filet. Faucon Flac qui reprend l'avantage. Out. Faudra mieux négocier ces services la prochaine fois. Service signé Faiseau. Constant Perrine pour l'équipe nordiste. Filet. C'est un point qui s'envole et qui permet à Faucon Flac de prendre un léger avantage. 4 à 3. Isnar au service. Commet la même faute. Et le mano à mano continue dans ce premier set entre les deux formations. Molaï. Joseph, une première fois contré. Radou pour Joseph encore une fois. Et bonne défense. Et là, le joueur le plus en vue du côté de Faucon Flac, à savoir Naiko, redonne l'avantage à son équipe. Et les supporters présents au gymnase Panditsadeh Vavakwa qui encouragent les deux formations. Nouveau point pour l'équipe de l'Est qui essaie déjà de prendre ses distances dans ce premier set.
petit problème avec les services effectués. Mais certainement, ils vont rectifier le tir. D'ailleurs, Naïko s'en excuse auprès de son entraîneur, Dave Sharma Ognou. Et le coach de Pamplemousse, John Dossing, lui, semble apprécier ce point qui permet à Pamplemousse d'égaliser à 6 partout. Doucou au service. Et le capitaine de Faucon-Flac qui n'a pas pu avoir le résultat escompté sur sa frappe. Jason Radu, figure de proue de cette équipe flacoise. Doucou au service. Filet. Mais ils s'en sortent, les Flacois. Et le bloc de Pamplemousse, avec notamment Frédéric Rose et Sundresen Mardé. Ça a marché comme sur les roulettes. Et normal que, pour l'instant, avec le jeu pratiqué par l'équipe nordiste, il mène par 2 points d'écart, 8 pour le club sportif de Pamplemousse, 6 pour Faucon-Flac Caen-Ithier. Doucou qu'on retrouve une nouvelle fois au service. Décidément des problèmes pour Joseph, alors qu'on a pu aussi apprécier le bloc très efficace des nordistes. On peut dire que pour l'instant, Faucon-Flac n'arrive pas à imposer son jeu habituel. On va dire ce smash de Naïko a été imparable et permet à Faucon-Flac de revenir maintenant à 2 points de l'équipe nordiste. Joseph va effectuer le service. Fait monter le ballon et la frappe. Naïko, Rose. Elle est in. Lentement mais sûrement. Faucon-Flac rattrape du terrain. Rien qu'un point sépare les deux équipes dans ce premier set. 8-9. Et encore Joseph pour le service. Dommage pour Rose qui était bien montée. Mais cette fois, c'est le bloc flacois qui a fonctionné. Et nouvelle égalité dans ce match à 9 partout. Avec Radu et Taïlamé, ça a posé quelques problèmes à l'équipe de Pamplemousse. D'ailleurs menée par 1 point cette fois. Rose, elle est in. Score assez étriqué, on va dire, dans ce match. Même si à un certain moment, Pamplemousse avait pris quelques distances de son adversaire. Mais là, il laisse du champ à Faucon-Flac. Pas évident.
On l'a bien compris. 12 points pour l'équipe de Fauconflac et 10 pour l'équipe de Pamplemousse. On rappelle que jusqu'ici, les nordistes ont effectué 5 sorties, ont enregistré 3 victoires, ont connu 2 défaites, notamment contre Trobisch Sharks et l'équipe de Quatre-Born. Trobisch également tombeur de Fauconflac Camp-Itier. C'était d'ailleurs la seule défaite enregistrée par l'équipe de l'Est jusqu'ici en 5 sorties. Alors que le numéro 10 de l'équipe nordiste, à savoir Sundresen Mardé, lui s'apprête à effectuer le service. Le coach John Dussing qui a des mots avec ses joueurs, Constant Perrine avec Roussi et aussi Molay. Molay justement qui touche le ballon. Doku, c'est hors des limites du terrain. 13 points déjà marqués par l'équipe flacquoise dans ce premier set. Tai Lamé va prendre le service. Et déjà, on a vu en 3 occasions, lors des services effectués par l'équipe de l'Est, ils ont raté le coche. Ça, c'est un point à rectifier. Tai Lamé. Et point pour l'équipe de Fauconflac avec Fezo qui a surpris tout le monde de l'autre côté. Fezo, le numéro 1 au service. Alors qu'au tableau d'affichage, on indique 14 points pour l'équipe de Fauconflac et 12 pour les nordistes. Et un 15e point déjà ajouté à la suite de cette action. Il faudrait que Pamplemousse arrive à réagir et à stopper ce léger ascendant de l'équipe flacquoise. Peut-être ici. Mais les Flacquois ne l'entendent pas de cette oreille. Doku. Je pense qu'il nous a entendus. Et ça fait 13 à 15. Alors que Kovilen Mardé, le libéro, a cédé sa place à Rose, qui est rentré de nouveau. Constant Perrine, Fezo, Tai Lamé, Naiko, et point. C'était assez simple pour l'équipe flacquoise, qui prennent maintenant 3 points d'avance sur leur adversaire dans ce premier set. Isna, 4e échec au filet lors d'un service. Fezo à la réception, Tyler May et Joseph. Et le bloc nordiste avec bien sûr le capitaine, le numéro 8. Frédéric Rose, mais il y avait aussi Sundresen Mardé. Ce qui permet à l'équipe de Pamplemousse d'espérer, puisqu'ils ont, oh là là, j'allais dire un point de retard, mais là, avec ce raté, ça fait maintenant 2 points d'écart. 17-15. Naiko. Roussi. Ensuite, il y a eu l'intervention de Thomas, le libéro qui est rentré du côté de Fauconflac. Et en parlant de changement, on va assister à l'entrée du numéro 13, Noblé, et de Grégory Coutet.
16-17. Pamplemousse au service avec Doucou. On se défend bien. Balle bien sauvée par les Flacois. Bonne extension. Il ne faut surtout pas paniquer là dans ces moments. Mais on accorde le point à l'équipe de Fauconflac. Je rappelle également que ce match est arbitré par Maïta Bassi et Sean Sohan. Pour l'instant, Pamplemousse fait mieux que de résister, même s'il accuse un point de retard. Frédéric Rose, capitaine de l'équipe. Écoutez. Balle qui n'a pas pu être sauvée. Et Jason Radu, le capitaine de Fauconflac, qui va prendre ses responsabilités sur ce service. Constant Perrine. Ah, ils se battent les nordistes, mais dommage. À la fin, c'est un point qui va à l'adversaire, c'est-à-dire à l'équipe de Fauconflac-Canitier. À 5 points de conclure dans ce premier set. Et temps mort avant la suite de ce match, de ce premier set. On va vivre maintenant les derniers instants de ce premier set avec Jason Radu à l'image. Malgré toute la détermination, l'effort de Roussi, ça n'a pas marché cette fois et c'est un nouveau point pour les Flacois. Ah, le balle qui a été touché par Doucou, bien malheureux sur cette frappe de Radu. La pression sur les épaules des joueurs de Pamplemousse. On comprend le temps mort. Vont-ils justement pouvoir remonter ce score, les nordistes? 22 pour Fauconflac-Canitier, 17 pour le club sportif de Pamplemousse, avec changement du côté du club entraîné par le coach John Dusing, rentré notamment de Jagessar et de Doucou. Jagessar. Une entrée positive pour le numéro 11, Jagessar. 18-22.
Ramdani va retrouver le banc, de même que Djaguessar. Sundresen Mardé qu'on a vu. Justement, Mardé, Rousti, Couté. Et elle est bonne, elle est très bonne même, cette frappe de Joseph. Tailame Naiko qui rentre à la place de Noblet et Couté qui ont apporté leur plus à l'équipe de l'Est. 23-18. On retarde l'échéance, à moins que ce ne soit le moment pour l'équipe de Pamplemousse d'effectuer une belle remontée. Sait-on jamais? Aïe. Ah, il n'est pas content de lui, Roussy. On le comprend. Ce qui donne une balle de 7 à l'équipe de Fauconflac avec Fezeau au service. Aussi. Ah, on ne s'est pas bien compris. Constant Perrine, 20-24. Tailame, Naiko. Et nouveau point. Et le suspense qui continue dans ce premier set. Réaction tardive. Et là, un autre temps mort demandé dans ce premier set. C'est dire que c'est un moment crucial dans ce premier set, dans ce match entre Pamplemousse et Fauconflac. Constant Perrine, le numéro 5 pour le service. Tailame, Joseph et point finalement, point gagnant 25-21 en faveur de Fauconflac. Ça fait 1-0 dans ce match. Début du deuxième set. On va attendre surtout la réaction de l'équipe de Pamplemousse. La frappe de Isnard. Et c'est un premier point pour l'équipe de l'Est. Grégory Couté au service pour l'équipe de Fauconflac-Canhitier. Encore une tentative de Rousti. Et cette fois, elle est concluante. Un partout. Mardé. Écoutez, pour Fezeau. Elle est sortie hors des limites. Point pour Pamplemousse. Sundresen Mardé.
Vont-ils continuer sur le lancer les nordistes? Écoutez, pour qui? C'était pour Isnard. 3-1 pour Pamplemousse. On peut parler des services gagnants du côté de Pamplemousse avec le numéro 10, Sundresen Mardé. Mardé justement qui touche le ballon. Rousti. Et Naiko qui renvoie. Bien joué. Et c'est le numéro 5, Constant Perrine. Et regarde du côté de l'arbitre. N'arrive pas à expliquer. Alors, point ou pas, on appelle Roussi, qui a des mots avec l'arbitre, Maïta Bassi, qui semble dire, bien, écoutez, à la chaise, moi, je suis bien placé. Et j'ai vu qu'il y avait un point pour l'équipe de Fauconflac, Faiseau. Et du coup, avec ce flottement, ça fait 3 partout. Vous voyez comme ça peut aller très vite. Comme la moindre faute peut avoir de lourdes conséquences. Et Faiseau qu'on retrouve pour ce service. Et toute la détermination, la rage dans cette frappe de Molaille qui permet à son équipe de reprendre un tout petit avantage. Un point seulement, un point d'écart, 4-3. Rousti. Service, Joseph, Couté et Naiko. Et l'arbitre qui indique la ligne, hein. Des fois, les fautes, on va dire, toutes bêtes. Ça peut coûter des points. Joseph, bonne extension et surtout bonne défense. Molaille. Trop fort, trop fort. Avec la rentrée de Radou, ça peut changer pas mal de choses. L'international, les capitaines de l'équipe. Isnard. Qui demande à ses coéquipiers un petit peu plus de concentration pour égaliser. Rousti, Mardé, Doucou. Le club sportif de Pamplemousse qui ne se laisse pas faire en ce début de deuxième période. Le libéro des nordistes est sorti, à savoir Kovilen Mardé, qui a laissé sa place au capitaine Frédéric Rose. Constant Perrine a effectué le service. Couté pour Joseph. Contré. ...7-4... On se rappellera qu'en première période, il y a eu aussi 3 points d'écart entre les deux équipes. Et puis, petit à petit, Fauconflac a su recoller au score. Faiseau, Couté, Naiko. Un smash très puissant du numéro 9 qui prend évidemment le service. 5-7. Molaille. Mardé. Couté. Et Naiko. Et Naiko, encore une fois, frustré par la décision qui est intervenue juste après.
8-5 en faveur de Pamplemousse. Écoutez, Enaeko. Encore un échec pour le numéro 9. Et en parlant du chiffre 9, le score au tableau, ça donne 9 pour Pamplemousse, 5 pour Fauconflac. Radou. Joseph. Radou. Pamplemousse qui va évoluer avec un léger capital, confiance, 5 points d'avance. Fezo, Couté, Joseph. Aussi qui n'a pas pu sauver cette balle. Et il faut qu'on flaque qui tente maintenant de stopper un petit peu les velléités offensives de cette équipe nordiste. Joseph au service. Aussi Rose, Naiko, Couté, Radou. Le bloc avec Rose. Et surtout, Doukou. Il a été très efficace, le numéro 13 de Pamplemousse, lors de ses montées au filet pour contrer les attaques adverses. 11-6. Mardé, Rousti. Rousti de nouveau. Une balle qui a été touchée. 12-6 pour Fauconflac. Ça commence à devenir inquiétant. 12, le temps mort. Le club sportif de Pamplemousse, le vent en poupe actuellement avec leurs 6 points d'avance, 12-6. Fezo, Couté, Fezo, Doukou, très beau sauvetage. Rousti, il non, si, ben voilà, malgré la tentative de Thomas. Elle est comptée. Treize-6. Thomas. Écoutez pour le capitaine. Encore une fois, le bloc de Pamplemousse. Il y avait Rose et aussi Rousti. 14-6. Fezo. Ah, point. Point inscrit par Grégory Couté. Et Isnar qui va prendre la place du libéro, Thomas. Sept points à remonter. C'est la tâche qui attend Radou et ses coéquipiers. Rousti. Cette fois, Isnar est intervenu. Pour mettre le ballon dans la zone des 3 mètres. Du coup, balle qui a été touchée. 9-14.
Et le coach qui demande à ses joueurs de poursuivre sur leur tentative de remonter. Faiso, out. 15-9. En tout cas, un deuxième set fort disputé ici au gymnase Panditsadeh Vavakwa. Bien joué. Avec Kouté au départ. Et puis Isnar qui a conclu. Prenant à défaut les joueurs de l'équipe nordiste. 10-15. Une balle bien disputée là avec Mardé. Rousti. Elle est sauvée une première fois par les joueurs de Fauconflac. Mais pas vraiment au final, puisque Fauconflac arrive à marquer un 11e point. Est-ce qu'on assiste à une remontada? Grégory Kouté lui effectue le service. Aussi. Et point pour l'équipe de Pamplemousse. On est, je vous le rappelle, dans le deuxième set de ce match. Isnar. J'allais dire une bonne défense du côté de Pamplemousse, ce qui me permet à la suite de cette action de Roussi d'ajouter aussi très bonne attaque. Point fortement mérité. 17-11, Mardé au service. Écoutez, peut-être Isnar, non, c'est Faiso. Naiko. Enfin pour lui, il a trouvé la bonne formule. 12-17. Une attaque latérale. Un tir croisé. Faiso. Molaï et Thomas qui n'a pas pu renvoyer le ballon. Et ça fait 18-12. Pamplemousse qui veut absolument égaliser dans ce match. Puisque le premier set, je vous rappelle, a été remporté par Fauconflac sur le score de 25-21. Rousti. Block out, 13-18. Mais néanmoins, le problème reste le même pour Fauconflac. À chaque fois, c'est 5 points d'écart. Elle est hors des limites. 14-18. Et Pamplemousse qui voit son écart être légèrement amenuisé. Ouais, il a suffi à Naiko de sauter plus haut que Doukou. 15-13. Du côté de Pamplemousse, on a compris que
Faucon-Flac s'apprête à effectuer sa remontée. On va stopper un petit peu les ardeurs. On va calmer les ardeurs. Voilà, vous voyez le score au tableau avec ces 3 points d'écart entre les deux formations. Et c'est d'ailleurs Faucon-Flac qui va avoir ce service avec Isnard. Mardet, Doukou face à Radu et Naiko. N'a pas eu les coups des franches. Isnard de nouveau au service. Molaï. Et c'est maintenant l'équipe de Pamplemousse qui est sous pression. Ils avaient 5 points d'avance. Maintenant, il n'y a qu'un tout petit point qui sépare les deux équipes. Isnard. Et du coup, c'est out. Et c'est l'égalisation à 18 partout. On parlait de remontada. Isnard. Et Jagessar qui va prendre la place de Doukou, qui s'est beaucoup dépensé. À 18 partout, est-ce le tournant dans ce deuxième set ? Isnard qui a réussi un ace, très bon service. Et grâce à tout cela, c'est Faucon-Flac Caen-Itier qui a maintenant un point d'avance. Et toujours Isnard. Jagessar, bonne défense. Couté. Fezo, Rousti, Molaï. Bon placement des joueurs. Oh, bon placement des joueurs de Faucon-Flac, mais comme finalité, il y a eu une bonne frappe hyper puissante de Naiko. Mais faut-il encore que toute frappe soit cadrée, ce qui n'a pas été le cas visiblement. Et nouvelle égalité à 19 partout, Constant Périne pour leur Pamplemousse. Naiko se rattrape. Naiko se rattrape malgré les protestations de l'équipe de Pamplemousse. Pas évident là pour les arbitres. C'est allé très très vite. On comprend les protestations des joueurs de Pamplemousse. C'était pas si évident que ça. Mais toujours est-il que c'est un 20e point, un point psychologique. Hein. Puisqu'on est dans la ligne droite finale, dans un set. Espérons que Pamplemousse n'ait pas pris un coup au moral. Alors que Thaï Lamé, lui, très détendu pour effectuer son service. Molaï. À 20 partout, service pour Pamplemousse. C'est un deuxième set indécis, on peut le dire. Ah, il est très content de lui, Noblet, le numéro 13, qui est entré en cours de match.
Joseph. Et la frappe puissante du capitaine qui n'a pas été bien renvoyé. Ce qui donne maintenant 2 points d'avance pour Fauconflac. Avantage au tableau, mais surtout avantage psychologique. Joseph. Avec Jaguessard. Nouvelle montée de Jaguessard. Et c'est le numéro 13, on va dire un peu le porte-bonheur de Fauconflac dans ce deuxième set. 23 à 20. Les joueurs de Fauconflac Canitier à l'image. À 2 points de réaliser quelque chose de très important dans ce match. 24 à 20, balle de 7. On reste avec le numéro 11, Joseph. Jaguessard, il y a Fezo qui est intervenu, Fezo qui renvoie le ballon, Molay, Jaguessard une nouvelle fois contré par le bloc de Fauconflac, Jaguessard, et malheureusement pour Jaguessard et ses coéquipiers, ça fait 25 à 20 avec une superbe remontée de Fauconflac qui a été menée à un certain moment par 5 points d'écart, mais conclu, et ça fait 2-0 dans ce match. Voilà, avec notamment Tai Lamé pour bien entamer ce troisième set. Et Fauconflac qui ne commet pas d'erreur comme lors des débuts des sets précédents. Fauconflac qui mène 1-0. Ils allaient célébrer un point, mais là ça fait un partout. On va dire que l'arbitre de chaise est bien placé, est mieux placé. Rousti. Avec Tai Lamé. Fezo qui renvoie. Rousti sollicite Molay. Et il y a Doukou. On regarde du côté de Mike Tabassi qui indique point pour l'équipe de Fauconflac. Fezo au service. On ne compte pas le nombre de services ratés par l'équipe flacoise. Mais il y en a aussi qui ont été réussis, évidemment. Score qui passe à 3-2. On a l'impression que ce troisième set peut aller beaucoup plus vite. Isnard. Et bien joué de la part du capitaine de Pamplemousse, Frédéric Rose. À 3 partout. En tout cas, c'est un match, on est loin de s'ennuyer. Molay. Avec Tai Lamé. Naiko. Et Doukou à son tour qui renvoie le ballon. Tai Lamé, Naiko. Eh oui, Naiko.
Il a un bon taux de réussite quand il monte au filet, quand il smash. C'est un joueur qui, parmi tant d'autres, nous a fait bonne impression. Alors qu'il y a le numéro 13 de l'autre côté, Doucou, du côté de Pamplemousse. Auteur d'un très bon match également. Voilà, Doucou justement. Et là, il est malheureux. ...5-3 pour Fauconflac. Laïko. Un point gagnant pour le numéro 9 et pour l'équipe de Fauconflac. Cette fois, ça s'arrête là pour Naïko. Il fait un petit salut à ses coéquipiers sur le banc, à son entraîneur, pour leur dire « Ok, c'est ma faute, mais la prochaine fois, je ferai un petit peu plus attention. » Doucou au service. Joseph et Naïko. Rousti. Et la bonne extension de Joseph qui permet à Fauconflac Caen-Ithier de mener par 3 points d'écart. Ça, on sentait que ça allait venir, hein. Surtout avec Radu au filet, il n'y avait personne pour le contrer. C'est à Rousti de leur rendre l'appareil. 5-8. Pamplemousse qui doit maintenant cravacher déjà pour recoller au score. Ils sont menés dans ce match 2-7 à rien. Frédéric Rose, ah, il n'est pas content. On peut le comprendre. 9-5. Il faut savoir que cette équipe de Fauconflac Caen-Ithier avait été menée dans le deuxième set par 5 points d'écart. Ils ont su revenir au score. Est-ce que Pamplemousse va réaliser le même exploit, même s'il n'y a que 3 points d'écart pour l'instant. 9 pour Fauconflac, 3 pour Pamplemousse. Meurdé. Avec Thaï Lamé, la montée de Faiseau. Doucou. Pour Molaï, il y a Constant qui est intervenu, Rousti. Les bonnes défenses de Pamplemousse, mais avec aussi à l'arrivée un point concluant 7-9. Sundresen Mardé. Et Naïko. Thaï Lamé. Doucou, Mardé, Molaï, contré. Et le bloc out permet à Pamplemousse de revenir à 2 points.
des Flacois. Cette fois, il a choisi tout à fait autre chose. Voilà, il est venu saluer son coach, Naiko. Alors que tout le monde s'attendait à une frappe comme il en a l'habitude. C'était tout en finesse. Fezo, Roussi, Meurde, Molay. Balle qui a été touchée. Et point donc pour l'équipe de Pamplemousse. 9-11. Frédéric Rose qui sort et qui laisse sa place à Armogum du côté des joueurs nordistes. Voilà, l'occasion de rappeler aussi que dans ce présent championnat, le club sportif de Pamplemousse a disputé 5 rencontres. La première sortie où ils avaient remporté leur match face à l'équipe de Port-Louis sur le score de 3-2. Puis ils ont battu successivement Buswell et Trou-de-Douce 3-0. Après, c'était une autre paire de manches avec une défaite contre Trobe Sharks et l'équipe de Quatre-Born 3-0. Est-ce que ce scénario va se répéter aujourd'hui? Ils sont déjà menés 2-0. Il faudra sortir autre chose pour venir bousculer cette équipe de Fauconflac. Et surtout, oh là, être adroit. Peut-être beaucoup plus précis dans ses frappes. 13-10. Alors que Fauconflac, quand il tient, avait débuté victorieusement face au Cupip Starlight 3-0. Ils avaient également battu l'équipe de Port-Louis sur le même score avant de subir une défaite contre Trobe Sharks qui a effectué, je vous le rappelle, un parcours sans faute jusqu'à présent dans ce championnat. Quand Itier, qui a tout de même battu Quatre-Born 3-1, Buswell 3-0 et qui s'apprête a empoché les points de la victoire aujourd'hui. Ils mènent 2-0. On les voit mal laisser filer une victoire, même s'il y a une très bonne résistance, une très bonne équipe en face. Équipe de Pamplemousse avec Doukou. On vous parlait justement des différentes péripéties des deux équipes dans ce championnat. Il faut savoir que la prochaine sortie pour l'équipe de Pamplemousse, le club sportif de Pamplemousse, ce sera contre le Cupip Starlight, alors que Fauconflac Canitier aura pour adversaire l'équipe de Trou-de-Douce. Fauconflac est en train de prendre le large. Évidemment, comme ils nous ont entendu, il y a un temps mort pour régler tout cela. Dans le troisième set, dans l'ensemble, ça fait déjà 2-0 pour l'équipe de l'Est. Joseph, à mon service. Écoutez.
frappe croisée du numéro 13 de Faucon-Flac. Faiseau. Alors que le 18 du côté de Pamplemousse, à savoir Darilo, est actuellement sur le court. Darilo. Alors, point pour Faucon-Flac. Haut pour Pamplemousse. On hésite un peu. Alors finalement, c'est pour l'équipe nordiste. Avec le 1 du côté des nordistes. Et Roussy qui exhorte ses coéquipiers à bien se placer. Orbogum qui retrouve le banc. La rentrée de Kovilen Mardé, le libéro. 16-13. Ça peut arriver même à Jason Radu. Darilo retrouve le banc. Molaï qui rentre, sorti également de Ramdani. Faiseau. Il a joué sur son point fort, c'est-à-dire ses frappes en extension. Il s'agit bien sûr de Noblet. Alors que Couté et Noblet justement regagnent le banc. Pour Faucon-Flac, 14 pour le club sportif de Pamplemousse. Taïlamé qui nous montre ses qualités de jongleur. Ce sera peut-être à la suite de sa carrière de volleyeur. Elle est out. Taïlamé. Avec Moulay, Mardé, Rousti. Et cette faute de Isnar qui permet à l'équipe de Pamplemousse de continuer à y croire. On passe la serpillière, évidemment pour ne pas que les joueurs arrivent à glisser. Et peut-être que eux aussi, s'ils arrivaient à effacer le score, hein, mais malheureusement la réalité est là. 25-21 dans le premier set, 25-20 dans le deuxième. Pour l'instant, il y a 3 points d'écart entre eux et Faucon-Flac. Ils sont au service. Taïlamé et la montée de Naiko. Et quand on arrive à cet instant du match et quand il y a un écart de 4 points, évidemment, il y a la pression sur l'équipe qui est menée au score. Et c'est sans doute le cas pour Doku et ses camarades. Mais ils font pour l'instant
Ils offrent pour l'instant une belle résistance. Il y a eu un bon match et pour faire un bon match, il fallait donc deux équipes. Quelle que soit l'issue de ce troisième set ou de ce match, eh bien, on félicitera les deux équipes, Fauconflac et l'équipe de Pamplemousse. Aïe, 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 aïe. Constant Perrine, il a manqué un petit quelque chose pour pouvoir renvoyer cette balle. Voilà, on mettra ça sur manque de concentration au mauvais moment. Ouais. 17-20. Molaï va effectuer le service. Et les difficultés de renvoi des joueurs nordistes ont fait que Naiko va prendre le service à 21-17. Et ce sont là les points donnés à l'adversaire. Fauconflac doit faire attention dans les prochaines rencontres, rectifier le tir. On parlait des joueurs du côté de Pamplemousse qui ont fait bonne impression. N'oublions pas le numéro 6, Rousti. Lui aussi s'est bien battu, comme le numéro 13 d'ailleurs, Doukou. Mais jusqu'ici, cela a paru insuffisant face aux joueurs de Fauconflac avec Naiko, justement, Naiko. Il regarde le tableau. Alors, on lui rappellera que le score est de 22 à 19. Joseph. Et Rousti qui tente de renvoyer. Taïlamé, Fezo. Alors là, in ou out? Que dit l'arbitre? Qui indique point pour l'équipe de Pamplemousse. Comme quoi, les balles en volley-ball, ça peut se jouer à peu de choses. Hein, ...20-22, Fezo, Rousti. Cette fois, la défense de Fauconflac avec Naiko qui n'a pas pu résister à cette frappe de Rousti. 21-22. Fauconflac, Caen-Ithier va essayer de remettre les pendules à l'heure alors que Pamplemousse va peut-être réussir, pourquoi pas, le hold-up parfait. Longtemps mené dans ce match, ils peuvent encore y croire, hein, il reste un point à rattraper. Et justement, le coach John Dusing qui donne les derniers consignes à ses joueurs. Est-ce que le renversement de situation est encore possible pour Pamplemousse? Restez avec nous sur... YS TV, réponse dans quelques minutes avec le numéro 1, Armourgum, pour effectuer le service. Va-t-il permettre à son équipe d'égaliser? Fezo, Taïlamé, Fezo, la montée. Et finalement, c'est Fezo qui a eu raison. 23-21, grosse pression sur les épaules des joueurs de Fauconflac. Pourquoi? Puisqu'il reste deux points encore à conclure. Ils ne doivent pas commettre d'erreur.
et pression également sur cette équipe de Pamplemousse. Ils doivent encore marquer eux aussi 2 points, mais 2 points pour égaliser. Donc tout est encore possible dans ce match. On a vu des renversements de situation. Est-ce que ce sera le cas dans ce troisième set? Mais franchement, au vu du match, on voit mal quand même Fauconflac laisser filer cette victoire qui lui tend les bras. D'autant que le capitaine Jason Radu va effectuer lui-même le service. Le score, je vous le rappelle, 23 à 21 dans le troisième set. Fauconflac qui mène 2-0 dans ce match. Rousti. 22-23. Et dans ce genre de match, ce genre de situation, on va dire cardiaque, s'abstenir. Mardé pour Pamplemousse. Faiseau, Taïlamé. Faiseau. Et ça fait 24 à 22. Ce sera la balle de set et la balle de match avec Taïlamé. Sans doute pour le 3-0 dans ce match. Quand Itier contre Pamplemousse. Rousti. Balle qui a été touchée. 23 à 24. Comme on a souvent tendance à le dire, peut-être que Pamplemousse a retardé l'échéance. Dernier conseil sans doute dans ce troisième set pour l'emporter. Est-ce que cette équipe de Pamplemousse aura les ressources pour trouver le 24e point, donc égalisé dans ce match, où les joueurs de Dave Sharma Ognou vont, eux, arriver à trouver ce point qui leur suffirait, le point du bonheur. Mais attention, le service est pour l'équipe de Pamplemousse avec Rousti. Il a sûrement demandé, messieurs, dernier effort, dernière concentration. C'est de part et d'autre, hein, avec Taïlamé, Naïko, point pour l'équipe de Fauconflac Caen-Itier. Finalement, ça fait 25 à 23 dans le troisième set et au score final, 3-0. On rappelle les scores, 25-21, 25-20 et 25-23. Beau match, merci de votre attention.